Yo l'équipe Tessang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça je vous invite à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer les notifications car YouTube bug et vous recevez pas la notif quand on sort une vidéo, donc faites-le les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc allez, c'est parti, comme vous avez pu voir au titre et à la miniature, la Ruiner 2000, est-ce que ça peut vous faire ban? Eh bien, en tant que modeur, je pense que oui, tout simplement parce que, comme vous le savez, la Ruiner 2000 n'est pas un véhicule voulu par Rockstar. C'est un véhicule qui est dans les fichiers du jeu, mais ce n'est pas un véhicule voulu par Rockstar. Exemple, déjà les portières ne sont même pas modélisées, on peut même pas ouvrir, les pneus sont increvables, il n'y a pas de pare-brise, la façon dont on rentre, etc. dans la voiture, c'est complètement du n'importe quoi. Et je pense qu'à partir du 6 mars, tous les gens qui ont la Ruiner 2000 dans leur garage, tout simplement, bah, se verront ban. C'est vraiment ce que je pense, car pour moi, elle n'est pas intégrée dans le jeu officiel, donc dans le jeu qu'on a, peut-être dans le jeu des développeurs alliés, peut-être dans une future mission, un truc dans le genre, mais pour moi, c'est ça qui va peut-être faire ban des gens, tout simplement, à partir du 6 mars, car elle n'est pas dans les fichiers du jeu. Donc faites attention, mes gars, par précaution, si vous tenez pas à cette voiture, voilà. Il y a peut-être des amis à vous qui vont la garder, etc. Il y a toujours des glitches de duplication pour donner un véhicule à un ami, etc. Donc voilà, moi je vous conseille de la dégager de votre garage. Pour ma part, c'est fait, j'ai plus aucune ruiner sur tous mes comptes. Donc bah voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous prévenir. Et dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous pensez, de ce que j'avance tout simplement. Allez, écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à tout le monde. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao tout le monde.